Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable président du Conseil national de transition, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, Monsieur et représentant des organisations internationales accréditées au Mali, Monsieur le directeur des honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et... Dans un premier temps, nous allons assister à l'arrivée de la 44e promotion de l'école militaire interarmes, ce qui donnera lieu au baptême de cette promotion. Ensuite, se fera la présentation du major de la promotion après la lecture de la biographie du parrain de la promotion par le commandant de l'école militaire interarmes. Thank you.
Pour la première fois exécuté à l'école militaire interarmes de Koulikoro, a été pensé et introduit par le commandant actuel de l'école. Il s'inspire du charisme et du respect qu'inspire l'hippopotame. Ce dernier est un animal à la fois sage et suffisamment hargneux pour dominer la portion de fleuve et ses abords qui sont siennes.
Sa courtoisie lui garantit une coexistence pacifique avec les autres animaux. Très grégaire, il est fidèle au groupe auquel il appartient et est prêt à tout pour le défendre. Quelle que soit l'ampleur du danger, une marche majestueuse comme son nom l'indique, imposante et de sûreté. Elle caractérise la maîtrise de soi de l'officier, la sagesse qui n'est pas sienne mais qui recherche perpétuellement la cohésion avec ses frères d'armes et la vigilance. De façon plus condensée, le juste équilibre. En vos grades, rang et qualité, tout protocole observé. Bonjour. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, une fois encore, le centre d'instruction Bocar Sarassi de Kouloukoro ne déroge pas à la règle d'accueillir la traditionnelle cérémonie de baptême et de prestation de serment des élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmes de Kouloukoro en fin de formation. Le centre d'instruction Bocar Sarassi de Kouloukoro est fier, flatté, honoré en ce jour béni du vendredi 15 juillet 2022 d'accueillir le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, aussi toutes les institutions et les éminentes personnalités qui, à divers titres, ont fait ce magnifique déplacement sur Kouloukoro à l'occasion de la 44e promotion de l'école militaire interarmes de Kouloukoro. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. En ma qualité de commandant du centre d'instruction Bocar Sarassi de Kouloukoro, je tiens à vous remercier très sincèrement de votre disponibilité de principe, votre manifestation éloquente de l'intérêt que vous portez à la formation des militaires, des forces armées et de sécurité. Vous souhaitez par la même occasion, ainsi qu'à l'ensemble de toutes les personnalités ayant fait le déplacement, au nom de tous les personnels civils et militaires, la bienvenue dans la cité du Méguétan, au centre d'instruction Bocar Sarassi de Kouloukoro. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, la cérémonie de ce matin marque la fin de la formation des élèves officiers d'active de la deuxième année, année académique 2021-2022, composée des nationaux et d'autres pays frères et amis. Je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette formation. Aussi, j'adresse mes vives félicitations aux stagiaires pour leur réussite, chacun selon son mérite, pour l'obtention du diplôme au prix de plusieurs mois de labeur et d'abnégation loin de vos familles. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, avec votre autorisation, je souhaite aux camarades des pays amis
un bon retour dans vos pays et foyers respectifs. Investi de la mission d'ambassadeur de la ville africaine de Kouloukourou auprès de vos autorités, à qui vous témoignerez toute la profonde gratitude des autorités civiles et militaires maliennes et du peuple malien tout entier. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, permettez-moi enfin d'adresser mes vifs remerciements au haut commandement militaire qui a accompagné en permanence chacune des étapes de la formation de ces futurs ex-stagiaires de l'EMIA. À l'ensemble des structures du Centre d'instruction Bocar Serassi de Kouloukourou pour leur soutien permanent, leur implication passionnée sans réserve dans la réussite de la formation des récipiendaires. Au staff de l'EMIA pour son dévouement durable, son endurance dans l'effort, son humilité. À la population du Méguetan pour son accueil, son indulgence, sa tolérance et sa compréhension sans réserve. Aux autorités administratives locales et coutumières pour leur accompagnement quotidien envers le centre. Je souhaite à tout le public ici présent de passer une excellente cérémonie de baptême et de prestation de serment dans la solennité qu'exige le moment. Vive le centre d'instruction Bocar Serassi de Kouloukourou pour que vive les formations au sein des femmes. Je vous remercie. Chasseur Manin, jadis homme en armes, digne, fier et très vertueux. Nul n'entre dans le bois sacré a pu contextualiser le dire que nul ne devient officier avant d'avoir prouvé qu'il en est digne. À l'instar de ces d'antan guerriers Manin, les officiers sont guidés par un code qui prône esprit de sacrifice, courage et soumission à l'intérêt commun. Faire un homme d'une trempe exceptionnelle nécessite des moyens exceptionnels. Toute la rigueur avec laquelle l'officier est modélé n'a pas d'égal. Seuls les plus vaillants et les plus déterminés y arrivent. L'officier à lui seul constitue un mythe. Et sous le regard du Niana, ce mythe est maintenu. De son arrivée à l'école militaire interarmes de Kouloukourou jusqu'à son départ, l'élève officier est moulé à l'image de ses anciens, parmi lesquels nous pouvons citer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ou encore feu le général d'armée Amadou Toumani Touré, ATT et bien d'autres. Il quitte le moule le jour où il est jugé digne de ses anciens, ce qui ce matin est le cas de la 44e promotion mise à l'honneur. Militaire interarmes de Kouloukourou. À genoux! Quel nom donnez-vous à la 44e promotion de l'école militaire interarmes de Kouloukourou? Thank you.
baptême est une cérémonie au cours de laquelle les futurs officiers prennent la mesure de leur engagement personnel. Organisée à la fin de la scolarité, les cérémonies de baptême ont gardé à travers l'histoire et malgré leur évolution, leur caractère sacré et leur signification originelle. Le parrain est un aîné dont l'exemple doit inspirer le comportement de la jeune génération. Tradition par excellence, parce que constituée de transmission de valeurs et d'idéaux entre un parrain et un filleul, le parrain et préfigure l'esprit de cohésion des unités. Il prépare à l'avenir en renforçant les liens entre les générations. La prise des sabres marque la voie au commandement à travers une arme prestigieuse et pleine de traditions. Le sabre est l'arme de commandement et de la galanterie de l'officier. La remise des épaulettes montre définitivement la fin de la vie d'élève officier d'active et le début d'une vie d'officier qui les appelle à exercer un emploi, à assumer des devoirs et des responsabilités. Officier de la promotion, équipage du Super Tucano immatriculé, Tango Zulu 04.
ay tabani ko djobe ko de ay ta ko fe doone d'accord s'il te plaît major de la promotion en place excellence monsieur le président de la transition chef de l'état chef suprême des armées Super Tsukano immatriculé Tango Zulu 04 Charlie. Il a obtenu une moyenne générale de 17,226 sur 20. Le majorat à l'école militaire interarmes nécessite une certaine constance, beaucoup d'assiduité et une capacité à trouver un équilibre entre les activités extrascolaires, académiques et purement militaires. Le sous-lieutenant Maïga y est parvenu. Issu de la troisième promotion du lycée sportif Ben Oumarti, d'antan jumelé au prisonnier militaire de Kati, l'amour pour le métier de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, mesdames et messieurs les représentants des parrains de la promotion, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé, mesdames et messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos de joindre aux salutations et remerciements du commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi les miens propres pour préserver un peu de votre précieux temps. C'est bien un honorable devoir qui m'incombe en ces jours de joie, celui d'avoir l'honneur et le privilège de lire ce matin les biographies des deux braves jeunes officiers pilotes ayant décidé de colorer leur destin avec la marque indélébile d'audace pour l'immortalité. Il s'agit bien des feux commandant Moussa Maïga et lieutenant Mamadou Boubacar Traoré, parrain de la 44e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Deux brillants aviateurs au destin imbriqué et possédant une propension forte pour la défense de la patrie et le métier des armes. Le feu commandant Moussa Maïga est né le 24 janvier 1989 à Bamako. Il est incorporé au sein de l'armée de l'air comme engagé volontaire le 1er février 2010 à l'issue d'un test psychotechnique. Son acuité intellectuelle le mena à Garoua, au Cameroun, où il entama sa formation sur les brevets de pilote, observateur et de premier degré ULM. Jeune officier pilote de chasse brillant, issu de la 38e promotion de l'école militaire interarmes, son dynamisme, sa discipline et son désir ardent de se faire sa place dans le milieu des pilotes de chasse le distinguèrent aux yeux de sa hiérarchie, qui donna alors au jeune Maïga la chance de faire ses preuves et de gravir les échelons. C'est ainsi qu'il sera promu successivement, aspirant le 1er janvier 2011, lieutenant le 1er octobre 2015, capitaine le 1er octobre 2019 et commandant à titre posthume le 1er mai 2020. Pendant ces différentes formations de pilotes invétérés, il fut auréolé d'une gamme de qualifications très diversifiées sur différents avions, à savoir le brevet de formation initiale sur le Tetra, le diplôme de pilotage sur le L-39 en Russie en 2015, le diplôme de pilotage sur le MiG-29 en Russie en 2016, le diplôme de pilotage sur le Super Tsukano au Brésil en 2017. Pilote de carrière, le feu commandant Maïga a été successivement engagé dans les opérations Badenko, Benkan 2, Dambé et Maliko. Tout au long de sa brillante carrière caractérisée par une déontologie de pilote professionnel, il a successivement occupé les fonctions suivantes. Chef du centre des opérations à la base aérienne 102
de 2017 à 2019, chef du bureau emploi de l'état-major armée de l'air en 2019. Il détient une médaille commémorative des campagnes, lui ayant été décernée en 2013. Quant au lieutenant Mamadou Boubacar Traoré, il est né le 27 octobre 1995 et c'est à l'issue d'un test psychotechnique qu'il fut incorporé dans l'armée le 22 février 2016 comme aviateur de deuxième classe. En 2018, il est promu sous-lieutenant et lieutenant à titre posthume le 1er mai 2020. En 2017, il décrocha le brevet de pilote professionnel en République tchèque, où il suivit les formations initiales de pilotage pour acquérir par la suite les qualifications suivantes. Brevet de formation initiale PPL 2016-2017 sur le Tecnam, le diplôme de pilotage sur le Pilatus PC-7 en Suisse en 2017, la formation sur le Tetra au Mali en 2018. De l'EMIA, il est parti pour le Brésil en 2018 pour une formation de qualification sur le Super Ticano, sanctionné par le brevet de commandant de bord. Le lieutenant Traoré est de la 39e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Dans le cadre de l'exercice de sa fonction de pilote, il a activement pris part aux opérations Damé et Maliko. En cette matinée noire du mardi 7 avril 2020, ces deux jeunes pilotes à bord du Super Ticano Tango Zulu 04 Charlie, animés de la ferme volonté de servir leur nation, étaient de retour d'une mission commandée dans la zone de Tombouctou. Menée à la perfection et avec l'euphorie d'avoir bien accompli la mission, ils ont mis cap sur Sévaré où la mort les a arrachés à l'affection de leurs frères d'armes et de leurs parents suite à un crash. Cette mission, qui fut leur dernière, visait également à redonner du moral aux troupes et aux populations locales de Tombouctou, cité des 333 saints, et dont la région militaire a opté comme devise « Oser pour l'immortalité ». Ces deux aviateurs avaient à chaque sortie les félicitations de leur hiérarchie. Ce binôme est l'auteur de représailles faisant suite à l'attaque du poste de Dinangourou le 6 février 2020. Les feux commandants Moussa Maïga et lieutenant Mamadou Boubacar Traoré ont maintes fois détruit des ennemis et sauvé des frères d'armes lors de leurs engagements au combat à Mondoro, à Djaloubé, Boulkessi, entre autres. Un parcours qui leur a valu la confiance et l'estime de leur corporation tout en inspirant la jeune génération. Ces deux pilotes qualifiés et enthousiastes combattaient comme pilotes de chasse dans le cadre de l'opération Maliko à Sévaré au moment de leur tragique disparition suite au crash de l'avion de chasse Super Ticano Tango Zulu 04 Charlie le 7 avril 2020. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, en choisissant comme parrain les membres de l'équipage du Super Ticano Tango Zulu 04 Charlie, vous venez encore une fois de plus d'illustrer votre engagement à galvaniser les troupes pour le sacrifice ultime pour la cause de la patrie. Cette marque de reconnaissance prône au sein de ce groupe cohérent d'officiers la ferme conviction qu'ils ne seront pas en marge de la détermination farouche pour relever les défis sécuritaires au sein de leurs armées respectives. Et même s'il le faut, au prix de leur sang. M'adressant à vous, officier de la promotion équipage du Super Ticano Tango Zulu 04 Charlie. N'oubliez jamais que vous constituez les poutres sur lesquelles reposent les efforts d'une armée en pleine montée en puissance et fermement en guerre contre le terrorisme. Vous consoliderez vos connaissances sur le terrain au contact de la réalité en appliquant avec toute la rigueur que cela comporte les connaissances apprises à l'école en restant fidèle à cette pensée de Jules César. Je cite. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Fin de citation. Comme à l'image de vos parrains, soyez des officiers de contact conscients du sens élevé de leadership, de la victoire, de l'exemplarité pour vos subordonnés et de l'abnégation pour la patrie, pour mener avec succès vos différentes missions. Chers officiers des pays frères et amis du Mali,
Pendant 2 ans, vous avez surmonté avec beaucoup de dévouement et d'humilité les difficultés de la vie courante, telles que l'éloignement de vos familles et la différence de culture, tout en faisant honneur à vos pays respectifs. Trouvez ici mes chaleureuses félicitations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et bon vent, tout en vous demandant d'être des leaders braves et des solutions à l'image des membres de l'équipage du Super Ticano, Kango Zulu 04 Charlie. Pour terminer mon allocution en ces jours de joie, mais aussi de profonde méditation, ayant une pensée pieuse et prions pour toutes ces valeureuses âmes tombées pour le Mali. Vive les FAMA, vive l'école militaire interarmes de Koulikoro. Je vous remercie. De la promotion équipage du Super Ticano immatriculé Tango Zulu 04 Charlie face au drapeau emblème de la patrie, face au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, prêtez serment.
mission, mesdames et messieurs honorables invités, à présent nous invitons le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, pour son allocution. De mes propos, je sollicite votre autorisation pour observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui ont payé de leur vie dans la lutte contre le terrorisme. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Mali, madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, monsieur l'inspecteur général des armées et services, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, messieurs les directeurs des écoles militaires, monsieur le commandant de la mission européenne de formation au Mali et au Mali, messieurs les attachés de défense des pays amis et accrédités au Mali, monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, monsieur le préfet du secteur de Koulikoro, monsieur le président du conseil du secteur de Koulikoro, monsieur le maire de la commune urbaine de Koulikoro, monsieur le commandant du centre d'instruction Baka Selassi de Koulikoro, messieurs les commandants des écoles militaires, messieurs les notables, les chefs de quartier, les chefs des confessions religieuses et coutumières de Koulikoro, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Bonjour. Nous sommes réunis ce matin sur cette place d'armes du centre d'instruction Baka Selassi de Koulikoro pour commémorer la fin de la formation militaire, académique et pratique et le début d'une carrière professionnelle pour les officiers de la 44e promotion de l'école militaire inter-armes de Koulikoro. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour exprimer ma profonde gratitude à l'égard de toutes les autorités civiles et militaires qui ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie à laquelle nous accordons la plus grande importance. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, cette cérémonie intervient cette année dans un contexte particulier marqué par la crise multidimensionnelle que le Mali traverse depuis 2012, la crise sanitaire liée à la maladie Covid-19 et que la planète entière traverse depuis le premier trimestre de 2019 et l'embargo injustement imposé à notre pays depuis le 6 janvier jusqu'à la date du 3 juillet 2022 où les chefs d'État de la CEDEAO pris la décision de lever les sanctions contre le Mali. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le peuple malien et ses forces armées continuent de faire face à des défis sécuritaires multiples et complexes, mais la montée en puissance observée ces derniers mois, la dynamique nouvelle enclenchée par les forces armées maliennes et les victoires remportées sur les groupes armés terroristes sont porteurs d'espoir. De plus en plus, les forces armées maliennes vont à la recherche des groupes armés terroristes dans leur retranchement et leur infligent des pertes significatives. Comme cela est stipulé dans les directives interarmées annuelles de préparation opérationnelle, les diapos 2021 et 2022 de l'État-major général des armées, l'enjeu pour les années à venir est de réussir le pari de la régénération et de la modernisation pour disposer dans la durée une armée puissante, interopérable, attractive au service d'un Mali fort et maître de son destin. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'évolution de la situation sociopolitique et sécuritaire exige des femmes d'adopter une nouvelle posture qui leur permettra de couvrir l'ensemble du territoire national afin de sécuriser les personnes et leurs biens et garantir un environnement propice pour le déroulement des échéances électorales à venir.
C'est dans cet esprit que j'ai décidé de fixer un cap renouvelé aux armées et services, tout en réaffirmant avec force les principes qui garantissent leur efficacité. Les états-majors et directions des services ont reçu un nouveau contrat opérationnel pour parvenir à ce résultat. Le recrutement de masse en cours et les nouvelles acquisitions permettent aux formants de se doter de capacités pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie résolument offensive voulue par le chef suprême des armées. Les 68 officiers qui viennent de prêter serment devant le drapeau, emblème de la patrie, et le chef suprême des armées, de servir le pays avec loyauté et dévouement, proviennent de 10 pays que sont le Bénin 1, le Burkina Faso 1, la Côte d'Ivoire 2, le Gabon 1, la Guinée-Conakry 1, le Mali 56, dont 8 personnels féminins, la Mauritanie 1, le Niger 2, le Sénégal 2 et le Tchad 1. Les 56 officiers du Mali sont constitués de 28 professionnels et de 28 issus du concours direct. Le major de la promotion, le sous-lieutenant Alousseni Maïga, avec une moyenne de 17,228 sur 20. La présente cérémonie consacre les sacrifices consentis, le mérite de chacun d'entre eux et leur rentrée dans la grande famille des officiers. Une famille qui se définit par un sens élevé du devoir, une passion pour la patrie pouvant aller jusqu'au sacrifice ultime. Quant à vous, officiers de la promotion, équipage du Super Tucano Tango Zulu 04 Charlie, je commencerai par vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille des officiers, étant la dernière promotion d'officiers à ce jour des Forces armées maliennes. Vous êtes les derniers dépositaires de tout ce qui fait un officier, à savoir la rigueur, la droiture, le sens élevé du devoir, le paternalisme quand il le faut. Dans tous les cas, les ardents défenseurs de la loi et de l'ordre pour le succès des armes de nos pays. Je vous invite à toujours faire preuve, en toutes circonstances, de force de caractère, et à vous placer au-dessus de tout les intérêts de nos armées et de nos peuples. Ce faisant, vous montrerez digne de vos glorieux et vaillants prédécesseurs. Je compte sur vous, nos armées et nos peuples comptent sur vous. Vous jouez pleinement votre partition dans la guerre que nous livrons contre nos adversaires et nos ennemis. Dans cette lutte implacable que nous menons contre l'obscurantisme, vous allez devoir faire preuve de discernement. Vous aurez à former, instruire et préparer vos hommes avant de les conduire dans les opérations. Le respect du droit des conflits armés et du droit international humanitaire devra être votre cheval de bataille. Pour être un bon chef de section, les qualités suivantes sont requises. Le bon sens, le sens du leadership, le goût du travail d'équipe et de meneur d'hommes. Le chef de section se caractérise par une grande disponibilité et une flexibilité. Il est prêt à participer aux différents types d'opérations, donc prêt à courir tous les risques qui y soient liés. Gardez à l'esprit que conformément à l'alinéa 7 de l'article 11 du titre 2, de la première partie du règlement du service dans l'armée qui dit ceci: responsable de tous les actes de la troupe qu'il a l'honneur de commander, le chef développe constamment des qualités morales de ses subordonnés en faisant appel à leur intelligence et à leur cœur. C'est une des plus hautes missions du chef, celle qui lui procure les plus hautes satisfactions. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en décidant que la 44e promotion de l'école militaire interarmes porte le nom de l'équipage du Super Tucano Tango Zulu 04 Charlie, vous rendez non seulement hommage aux deux dignes filles du Mali, mais aussi vous invitez ces hommes et femmes qui viennent de prêter serment de s'approprier les valeurs, les qualités de ces deux vaillants officiers
qui ont consenti le sacrifice suprême au service du Mali. Officier de la promotion équipage du Super Tucano Tango Zulu 04 Charlie, après une quinzaine de jours de permission et un repos bien mérité, vous allez rejoindre l'école d'application des officiers et le bataillon autonome des forces spéciales pour un stage d'application de 6 mois. Sachez que la formation que vous venez de subir et qui vous a permis d'acquérir les fondamentaux requis pour un officier interarmes doit être consolidée, approfondie et améliorée. Aussi, mettez à profit ces 6 mois pour parfaire au mieux vos atouts et être plus performant afin de participer pleinement à la reconstruction de notre armée pour assurer la nation malienne la paix, la stabilité, la tranquillité auxquelles elle aspire. Jeunes, futurs chefs de nos unités élémentaires, vous serez la cheville ouvrière, vous serez l'autorité militaire au contact direct des populations sans interface et votre leadership sera déterminant dans la conduite de vos subordonnés. Commandez juste, commandez avec courage, commandez avec discernement et vous serez fiers de votre diplôme et des galons que vous venez de porter. Chers cadets, vous serez au cœur du dispositif des opérations de lutte contre l'insécurité pour la reprise des actions, des activités socio-économiques dans le centre et le nord du pays. La réussite de cette mission vous obligera à un engagement fort, imprégné de valeurs républicaines, avec un commandement intransigeant dans le respect des règles, du droit des conflits armés et du droit international humanitaire pour le bonheur et la quiétude de nos populations. Gardez à l'esprit que ces populations sont notre raison d'être aussi. Dans tout ce que vous entreprenez, attachez-vous à gagner le cœur et l'esprit des populations, partout où vous serez engagés en opération. En faisant cela, soyez sûr que vous remporterez des victoires au-delà de vos espérances les plus fortes. Chers cadets, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein succès dans vos carrières pour les jeunes officiers. Des pays amis, vous êtes le fruit de l'excellence, coopération que le Mali entretient avec vos pays dans le cadre des échanges de programmes entre nos écoles militaires. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs auprès de vos familles. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, honorables invités, mesdames et messieurs, les forces armées de défense et de sécurité du Mali, à travers ma modeste personne, s'engagent à poursuivre sans relâche les efforts en cours afin d'apporter paix et sécurité au peuple malien et à tous ceux qui vivent parmi nous sur l'ensemble du territoire national, même au prix de nos vies s'il le faut. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et votre patience. Puisse le tout miséricordieux permettre à chacun d'entre nous de regagner sain et sauf sa destination. Vive les forces armées maliennes dans un Mali indivisible et apaisé. Je vous remercie. Ouais,
après son obtention. Pour une séance photo avec les sous-lieutenants nouvellement promus. L'ordre de passage des troupes pour le défilé est le suivant. La musique principale du génie, sa garde. Deux sections de l'école militaire interarmes, dont une féminine. Une section de la direction régionale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Une section des eaux et forêts. Une section de la direction régionale de la protection civile. Une section de la direction régionale de la police nationale.
une section de la gendarmerie nationale. L'école militaire interarmes, l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée, les eaux et forêts, la protection civile, la police nationale, la gendarmerie nationale. Du Mali. Sous-lieutenant Omar Sango du Mali. Sous-lieutenant Abdramane Kone du Mali. Sous-lieutenant Darok du Mali. Sous-lieutenant Abdramane Fonet du Mali. Sous-lieutenant Souleymane Samake du Mali. Sous-lieutenant Omar Sango du Mali. Sous-lieutenant Kariba Koulibaly du Mali. Sous-lieutenant Broma Tidjara du Mali.
Boulaye du Mali. Sous-lieutenant Balas Togo du Mali. Sous-lieutenant Seydou Salah Moukela du Niger. Sous-lieutenant Seba Mariko du Mali. Sous-lieutenant Almata Berthe du Mali. Sous-lieutenant Agnès Jérôme Arama du Mali. Sous-lieutenant Sénat Kloubali du Mali. Sous-lieutenant Amadou Astraoré du Mali. Salah Moukela du Niger. Sous-lieutenant Sylvain Maricot du Mali. Sous-lieutenant Agnès Jérôme Arama du Mali.